Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir la version anniversaire de Emergency. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir sauver des gens qui sont en danger, parfois parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a eu des révoltes ou d'autres conditions qui peuvent être plus ou moins farfelues. Vous avez des outils à votre disposition, donc si vous êtes dans l'ère moderne, vous allez pouvoir envoyer les pompiers, la police, les infirmiers et la casse. Si vous êtes dans une ère moyenâgeuse, vous allez plutôt envoyer des soldats, par exemple, parce qu'il y a des gens qui essayent de brûler des femmes parce qu'ils pensent que ce sont des sorcières. Donc vous avez différentes situations qui vous sont proposées, vous devez faire au mieux et vous êtes noté à la fin en fonction du nombre de morts, hein, si vous avez mis trop de temps, si vous avez perdu contrôle de la situation et toutes ces choses-là. Le jeu nous arrive avec 3 campagnes, donc vous avez la campagne de Emergency 5, 2016 et 2017, ce qui fait que c'est la version à acheter si jamais vous êtes intéressé par le jeu. Ça regroupe toutes les dernières campagnes du jeu, et en plus vous avez 10 missions supplémentaires qui viennent de versions précédentes qui ont été remises au goût du jour, donc visuellement et techniquement, donc ça a été modernisé. Là ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petites missions, hein, de cette version là, puis après on va aller faire quelques missions également qui ont été remasterisées pour une version un peu plus moderne. On est parti. Un camion roule, des enfants veulent traverser et là une catastrophe se prépare. Il faut vraiment toujours traverser là où il y a des passages piétons et surtout attendre que le feu soit rouge, les enfants. Et boum, catastrophe, et on va devoir intervenir. C'est parti. Ouh, ouais, il y a des blessés, il y a des gens qui ont pu s'échapper, mais voyez, ouais, il y en a qui ont quand même bien souffert. Un camion transportant du kérosène a percuté un tramway. Ouh, il transporte du kérosène, donc là c'est grave. Et le conducteur du camion est piégé dans son véhicule. Occupez-vous des victimes. Alors, on voit des blessés, et le conducteur est piégé dans le véhicule, donc faudra le sortir. On a 3 blessés, un coincé. Ok, donc première chose à faire, on va devoir envoyer les ambulances. Ok, donc un gars va venir là. Ce sera fait. On va en envoyer une deuxième, ambulance. Pas ambulance, les gars, pour les secours. Voilà. Maintenant, on va envoyer également des ambulances, parce que bon, il faut qu'elles arrivent. On va en envoyer une là. Je suis avec vous. Des équipes de secouristes et une ici. Donc, vous ne savez pas transporter les gens quand ils sont au sol et qu'ils sont blessés. Il faut les stabiliser avant de pouvoir les envoyer à l'hôpital. Donc, vous allez devoir envoyer des secouristes en premier. Une fois que les gars sont stabilisés, on envoie les gars avec leur petit lit là. Et on les met dans la camionnette, dans l'ambulance. Ils repartent. Ils repartent à l'hôpital. Ok, donc là, mes véhicules arrivent. Donc vous voyez, on peut les suivre, oui, si l'on veut. Okay. Donc j'en ai 4 qui arrivent. On les voit là-bas, sur la petite minimap. Et voici. Alors, toi, t'es le premier qui s'arrête. On va te faire sortir. C'est en cours. Et tu vas aller... Que se passe-t-il? Tu vas aller soigner celle-ci. La raison que je viens là, c'est que c'est les plus proches. Du camion plein de kérosène, donc il faut les virer de là je le plus vite possible. On va s'en occuper. Vous, je vais vous y ressortir, mais vous allez devoir attendre. Oui, chef. Je vais appeler la police également, parce qu'on va devoir contrôler un peu les gens, je vois qu'ils se rapprochent. On va envoyer un véhicule de police ici. Vous voyez, là, il y a des gens un peu trop près du camion, je vais les éloigner. Ok, donc vous voyez la barre doit être pleine, avant que je puisse les bouger. Que se passe-t-il? Ok. Ça, ça a l'air bon. J'attends les ordres. Tu vas t'occuper d'elle. D'accord. Tu vas avoir besoin de pompiers. Oui, ok. Ah ouais, les envoyer là. Je suis avec vous. Pas trop près du camion. Je suis prêt. Voilà, transporte. Ouh, c'est bon, lui, il va aller chercher automatiquement là. Ça, c'est la première fois qu'il y va automatiquement. Bon, toi, tu vas dans sa camionnette. Bon. La police arrive. Ne roulez pas sur mes gars, roule pas sur mes gars. Le médecin, tu peux repartir, oui, j'ai besoin que d'un dernier médecin. Ok. Que se passe-t-il? On fait sortir les gars. Oui. Bon, on va se mettre là. Il faut qu'une équipe de secouristes emmène une victime prête au transport à l'ambulance pour l'éloigner du lieu de l'accident. Que se passe-t-il? Police, avec ton mégaphone. Mais là, tu prends le mégaphone. Ok. L'ambulance emmène la victime à l'hôpital de la base. On dit aux gars de partir, partez les gars. Oui, chef, c'est en cours. Pas de partir, c'est pas grave. Je suis prêt. Comment je suis censé leur dire s'éloigner? Que se passe-t-il? Ouais, normalement là. C'est stylé. Toi! Oui. On va sortir. Oui. Voilà. Toi, tu vas prendre la cisaille. C'est bon. Et on va devoir libérer le gars qui est dedans. Ce sera
fait. Tu y vas. Les civils sont trop proches des flammes. Nous devons appeler ouais, c'est fait. Ce sera fait. Nos policiers de lui peut rentrer. Éloigner les gens pour leur sécurité. Bon. Alors, on rentre. Je suis prêt. Du kérosène a coulé du camion accidenté. Rentrer à la base. Agir vite. Est-ce que j'ai une autre ambulance? Non, mes ambulances sont pas encore arrivées à l'hôpital. Elles sont en route, elles vont bientôt y arriver. Pour sauver celui-là. Il est en train d'ouvrir. Ah, une ambulance est revenue. Tu peux revenir là. C'est en cours. Et je vais avoir besoin de la deuxième. La deuxième, on va la mettre là. On va devoir sauver le gars là. D'accord. Le médecin. J'attends les ordres. Tout de suite. Je vais devoir. J'attends les ordres. Que se passe-t-il? On va revenir stabiliser le gars là. Vous avez désincarcéré le chauffeur du camion. Continue. Et là, il y a deux étincelles. Ouais, ok, ça c'est pas bon du tout. Attention, la ça prend feu. Le kérosène alors. S'est enflammé. Éteignez l'incendie. Que se passe-t-il? Tout de suite. J'ai compris. Les pompiers, toi. Tu vas j'attends prendre les le tuyau. Tout de suite. Et tu vas éteindre. Tout de suite. Toi, tu vas prendre également le tuyau, mais tu vas balancer. Tu vas balancer de l'eau sur le camion de kérosène pour pas qu'il chauffe trop et qu'il explose. Voilà, donc là, il vient de se connecter au distributeur. Enfin, au machin d'eau, là. Voilà, ok. Toi. Oui, ok, ce sera fait. C'est bon. Ici les soins sont en cours. Ok, c'est parti. Ouh, ça va être bon, ça va être bon, je pense. Que se passe-t-il? Je suis avec vous. On est en train d'éteindre l'incendie. On garde le camion frais. Les des parfait. On va vous occuper de ça. D'accord. Le médecin. J'attends les ordres. Tu retournes là-dedans. On va s'en occuper. Et tu peux partir. On n'a plus besoin de toi. Normalement, l'ambulance tout le monde a été soigné. À l'hôpital de la base. Voilà. Excellent. Vous avez éteint l'incendie. Bien joué. L'incendie. Toi, tu rentres à la base. Pas de problème. Oui. Toi, t'es reparti automatiquement. Je suis prêt. Le médecin là-bas, je t'ai toujours pas dit de repartir, bah tu retournes. Ça c'est fait, et maintenant qu'on a éteint l'incendie, bah les pompiers vous pouvez retourner dedans. Ah, j'espère qu'il n'y a pas d'autre étincelle. Toi avec ta pince, tu retournes dedans, et je vais avoir besoin maintenant de la dépanneuse que l'on va déposer ici, enfin qu'on la ramène. Ce sera fait. La police, vous pouvez retourner dans votre bagnole, vous servez à que dalle. J'ai pas réussi à repousser les gens. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Amener un dernier secouriste, utiliser la dépanneuse pour remorquer le camion et demander à un médecin urgentiste de soigner le chauffeur. Bah, tout ça a été fait pratiquement. Et les avez transportés loin. Il y a juste une dernière ambulance qui doit être en route. Ok, là, elle arrive. Ça devrait valider mon médecin là-bas. Alors, vous. Je peux vous dire de retourner à la base. Ah, vous avez soigné le chauffeur du camion et l'avez transporté. La police, tu peux partir. On aura peut-être d'autres urgences, je peux pas vous garder là pour rien. Là, on a la dépanneuse que l'on va suivre. En accéléré. Ouh. Ok. Maintenant, je te dis, t'occupe de ça. Donc là, j'ai bien maîtrisé la situation. Il n'y a pas eu vraiment gros danger. À part le moment où il y a eu le feu, mais bon, on l'a éteint super rapidement. Et on est reparti. Regardez-moi, la chaîne de service, tout est bien planifié. Alors, je vais suivre toi. On doit attendre que tu reviennes. On va en vitesse maximum. Et on revient au HQ, au centre de commande. Bien. Boum. Vous avez remorqué. Alors, mission accomplie. Tâche effectuée. Efficacité. Médaille d'or. Génial. Et donc, j'ai obtenu pas mal de points. 120 300 points. Je
pas publié. on va continuer. Et donc là, grâce à votre performance exceptionnelle dans la dernière mission, vous avez désormais... A été heurté à la tête par vous le pouvez désormais acquérir de nouvelles forces d'intervention. À l'hôpital. Ouh, alors ok, il y a un nouveau gars. Demandez à un médecin urgentiste de soigner les victimes. Ok, et là par contre, j'ai des nouveaux véhicules que je peux acheter. Mais il n'y a rien. Alors en dehors de l'échelle pivotante, je ne crois pas que je l'ai. Les autres, je les ai déjà. Je pourrais les avoir en plus grand nombre. Mais bon, alors déjà, on va voir là où il y a l'accident. Ici. Donc le gars a un petit souci, donc on va envoyer un médecin. Ce sera fait. Et une ambulance. On va dire de se garer ici. Ouh, c'est mort. C'est juste à côté de là où je suis. Que se passe-t-il? Je suis avec vous. Ah non, j'étais en super accéléré, bah oui. J'attends les ordres, tout de suite. On va le soigner. Je suis prêt, c'est bon. Oui, tout de suite. Okay. J'ai compris. Donc là, c'est un petit accident, apparemment. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ça. Parce que ça me paraît un petit peu petit comparé à l'accident précédent. Alors ça, on va cacher. On va accélérer un petit peu pendant qu'il le soigne. Il n'y a rien qui est en feu. Un mégot qui a roulé sous un tonneau de carburant, non? Ok, tranquille. Accélère un peu plus. Alors toi déjà je vais t'éloigner au cas où. Et eux ils attendaient, ouais, ils y vont automatiquement, ça c'est cool. Alors, non, juste mets là pour pas te faire écraser par une bagnole. Je lui dis pas de rentrer tout de suite. Ah bah tiens, ouais. Là ils y vont automatiquement, mais du coup ils retournent pas à la bagnole automatique. Un peu bizarre. Si moi je leur dis de ramasser le gars, ils vont revenir à la bagnole automatiquement. Mais s'ils y vont eux-mêmes, ils n'y vont pas automatiquement. Ok. L'ambulance est partie. Okay, apparemment c'est juste... C'est juste ça, plus de 100, 1100 crédits. Ça serait 2500 crédits pour l'échelle pivotante. Donc là, ça serait effectivement un peu plus. J'attends les chargeurs sont entrés en collision à la station de sport d'hiver. Okay. Secourez-les, soignez-les, puis emmenez-les à l'hôpital. Là. C'est bon. On va avoir besoin de deux gars. Oui, chef. Si vos gars sont blessés, fatigués, etc., en les renvoyant à la base, ils récupèrent des forces, on va dire. Ce qui n'est pas le cas si jamais je les envoie de mission en mission, comme je viens de faire là. A savoir que vous avez également un mode sandbox, un mode libre, si jamais vous ne voulez pas, vous voyez, être guidé par le jeu et que vous voulez avoir vraiment vos employés, vous les envoyez comme vous voulez, petit à petit vous achetez les choses, vous êtes vraiment plus libre. Vous avez également un mode qui vous permet de construire votre ville, de faire votre map. Ça également c'est disponible déjà, donc vous pouvez faire jouer avec. Alors là ils mettent un peu de temps à venir parce qu'en fait oui ok ce chemin là je suis directement sur le premier. SOS, incendie de véhicule, cause inconnue. Éteignez tous les foyers d'incendie. Au besoin, soignez les victimes et enlevez les carcasses de véhicules. À vos ordres. Je vais revenir là, parce qu'il y a plusieurs choses en même temps là. Ça se corse, bon. Oui. Sortir. Ok. J'écoute. Oui, chef. Que se passe-t-il? C'est en cours. C'est en cours. J'écoute. C'est en cours. Que se passe-t-il? J'ai compris. Ici. J'attends les ordres. Sortez. Je suis avec vous. Oui, ce sera fait. Tout de suite. Oui. À vos ordres. On va s'en occuper. Allons devoir envoyer un dépanneur. Ce sera fait. Vous êtes où? Là. Regardez l'incendie. Ça a l'air bon. J'écoute. La bagnole. Pas de problème. Lui vient chercher le gars. Il rentre à la base. Que se passe-t-il?
Pas de problème. Rentrer à la base, pas de problème. L'incendie. Ça a l'air maîtrisé. Oui, je suis avec vous. Oui, ok. Pas de problème, je suis prêt. À vos ordres. Ah non, il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans, ok. Oui, j'ai compris. Tout de suite. Ouais, il y a personne dedans. Ah, j'ai cru qu'il y avait. Ouais, il y a personne. Musée, il aurait déjà. À vos ordres, j'attends les ordres, okay, j'ai compris. Serre-toi dedans. Ici. Ah, ici, ça a l'air bon, vous ramenez là. Génial. Oui, ok, c'est en cours. Ouais, c'est bien. Ah, je peux le voir. Je les ai mal garés, hein. J'aurais dû mieux les garer. Tac, 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 en ligne droite pour les éviter à faire des... J'attends les ordres, l'ambulance emmène la victime à l'hôpital de la base. Là, ils ont fait le nécessaire tout seul, ils ont fait l'aller-retour tout seul. Il y a même plus de traces, vous voyez tellement mon job était bien fait. Et donc là, les deux jobs vont être terminés. J'écoute. On accélère un peu. On a terminé celle-ci. Ouh, j'ai gagné beaucoup de crédits pour elle, plus que la précédente. Bah ouais, l'autre, j'avais qu'un gars à sauver. Demander aux secouristes d'emmener les victimes à l'hôpital. Bah tiens, les deux arrivent là. Et donc, je vais également être récompensé pour celle-ci. C'est génial. Et ça a été validé. Là, je suis à 2400. Il manque 100, je crois, pour. Ah ouais, pour elle, j'ai quoi en pompier? J'ai véhicule de secours routier ancien. J'ai quand même une échelle, mais c'est une petite échelle en gros. Ok. Bon alors, une nouvelle mission qui arrive. Allez, j'ai pas encore d'hélicoptère. Ah. Attention au pickpocket. Une personne a été détroussée et le voleur est en fuite. Trouvez et arrêtez le coupable. Police. Le criminel essaie de quitter la D'accord. zone d'intervention. Arrêtez-le tout de suite. Alors, on va arriver. De là-bas. Et un peu. Il s'est arrêté là, il est fatigué. Ah! Allez! Courez-lui après! Ok, toi. Tu retournes dans la bagnole. Il est là. Ah, ok, c'est fait. Alors. Occupez-vous des blessés et nettoyez le site. J'arrive, j'ai pas fini. Il doit aider mon pote le policier à combattre. Liste des tâches pour voir ce qu'il reste à faire. Poussez-vous les gens. Voilà. Ah, il a fait le nécessaire avant. Je voulais venir l'aider, j'ai pas eu de voix. Bon, alors ici, carambolage, accident ou de la route. Alors. Oh purée, je me laisse emporter. Tout de suite. J'ai compris. J'attends les ordres. C'est bon. Oui, on va okay. s'en occuper. C'est la dernière, je pense, et puis on va se lancer sur une autre mission qui a été la voiture de police sans mettre prisonnier aux cellules de la base. Je pars à la base. Ok, ici, ça arrive. Je vais avoir besoin également d'une dépanneuse qu'on va poser sur le côté pour le moment. Est-ce que le gars est coincé? Non, le gars dedans est sorti. Non, pas besoin. De soigner les victimes. Elle est où la deuxième? Je vais envoyer un pompier peut-être alors.
J'ai compris. Oui. J'ai compris. On va s'en occuper. Oui. J'ai compris. Oui. Ça c'est fait. On a été payé, génial. Donc là, la dépanneuse arrive, on les voit là. Arrivée, vous voyez. La bleue c'est la dépanneuse, la rouge c'est celle des pompiers. Ok. Ah, utiliser la sirène hydraulique, effectivement. J'attends les ordres. Là. Je suis prêt. À vos ordres. J'attends les ordres. Isaïe. Tout sera fait. Go. Ok. On a besoin d'une deuxième ambulance. C'est en cours. Oui. J'écoute. Je suis avec vous. Ça, ça a été validé. On va sortir le gars. Toi, tu vas les soigner. Donc, j'ai pas besoin d'appeler un autre secouriste. Oui. À vos ordres. Je t'occupe de lui. Oui. C'est en cours. Je suis prêt. On va s'en occuper. SOS. Un incendie s'est déclaré. Un incendie. Éteignez-le. J'attends les vous des dégâts éventuels. Un incendie pompier. D'accord. L'ambulance emmène la victime à l'hôpital de la base. Parfait. Toi, je suis prêt. Tu peux prendre J'ai ça compris. Sans écraser les gens. Ouais, apparemment tu peux. Génial. Bon, c'est un peu déconseillé de le faire dans l'ordre là, mais bon. Que se passe-t-il? D'accord. Oui. Oui, chef. Je suis prêt. Tout sera fait. J'attends les ordres. Je suis avec vous. J'attends les ordres. Pas de problème. J'attends les ordres. J'ai compris. J'ai compris. Que se passe-t-il? Pas de problème, c'est bon. Oui. Ça, tu veux utiliser l'extincteur. Ok. Trois vies. Je crois pas que j'ai une troisième. Ouh, j'en ai une là, je sais pas si j'aurai assez de tuyaux pour aller jusque là. Donc je m'occupe de ça pendant qu'on termine l'autre. Génial, ça a été fait. C'est fait, on prend les trois gars. Ok, tout de suite. Vous rentrez, incendie maîtrisé, vous avez vu les incendies se répandent, hein, si jamais vous mettez trop de temps. Et vous donc voilà, et là vous vous retournez. Pour acheter de nouveaux véhicules d'intervention et de nouveaux emplacements dans votre base. Des nouveaux emplacements également dans la base. Vous voyez, là je peux commencer à étendre. Pour voir l'effet de chaque amélioration, cliquez sur le point d'interrogation à côté de l'objet dans le menu d'achat. Voilà, ok, donc là, je suis, ou l'hélipad et tout, je suis bien avancé, je peux débloquer, bah, par exemple, toi, hop, on l'achète, maintenant, quand je vais ici, le voici, hein, donc c'est sur l'échelle pivotante. C'est bon. Voilà, ah, vous voyez, on a de belles choses, bon, tu retournes à la base, et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va passer à une des maps qui a été remise à jour pour finaliser cette vidéo de présentation sur ce jeu qui est quand même vraiment fun, vraiment spécial, et qui maîtrise bien son gameplay, hein, je trouve. On est parti. Alors, on va devoir empêcher la course de se faire. Donc, on va envoyer la police, ok. On envoie la police là, on va en envoyer une autre. On va l'envoyer au bout, on va bloquer les différents endroits. Ah, il va être trop tard, la course va démarrer je pense, les gars vont pas arriver à temps. Bon, je suppose qu'il va y avoir des conséquences et qu'on va devoir s'occuper de ces conséquences. En route. Il a pratiquement roulé sur le mur. Donc, oula, il y a un incendie, il va falloir que j'éteigne l'incendie en premier avant de sauver les gens. Donc ici. C'est bon. Un autre là. Et c'est quoi l'autre véhicule que j'ai? C'est un ponton. Ok, ça je crois que s'ils ont des gros
Et on va t'envoyer bah, là-bas. Parce que je crois que ouais, le feu va s'étendre, se répandre. Ok. Du coup. Alors, il y a des gars à choper. Alors, avec ma voiture de police. Ici. On est là. D'accord. Je suis prêt. Que se passe-t-il? D'accord. Oui, chef. On l'arrête. Ça, tu vas prendre ça. C'est en cours. On va s'en occuper. Je suis prêt. Voilà. Ok, lui il est beau. Alors ici, est-ce que vous avez été... Ouh, le ponton, oui. Vas-y. Non, ça c'est les camions de pompiers standard. Sortez. C'est bon. J'attends les ordres. À vos ordres. Vous allez éteindre là-bas. J'ai compris. Oui. J'ai compris. Ouh là là. Ouh là là. Là, je les ai un petit peu négligés. J'écoute. Il est incendié. Oui. J'écoute. Je suis avec vous. J'ai compris. Il est là. Ça a l'air pas mal. Alors, il faut que j'attende. Un peu. Oui. Ok. Tout de suite. La voiture de police emmène le. Ok. Je crois que j'ai le coupable. J'en vois pas d'autres. Maintenant. On va y mettre deux ambulances, on va les mettre là. On va s'en occuper. Là, l'incendie s'est pas répandu. On est en train de maîtriser celui-là. Toi, c'est fait. Je suis alors prêt. Maintenant, tu vas aller là-bas. C'est bon. Ok, je crois que je peux enfin faire sortir mes infirmiers. Bon. Je pense que... Alors, là, ça m'inquiète un peu, mais je crois qu'ils devraient pas... souffrir du feu, à savoir que oui. Vous pouvez effectivement vous faire tuer, hein, perdre des membres de l'équipage à cause de la chaleur. Alors on va sauver celui-là, celui-là va devoir attendre au chaud. Et ça c'est bon, lui est en cours de maîtrise. Je suis prêt. Toi tu vas aller aider. Pas de problème. C'est bon mes pompiers. Ouh. Oui, ok. Vous êtes là les pompiers, venez, venez. Je suis prêt. Tout de suite. Venez éteindre là. L'incendie s'est répandu à côté. Là, ça s'est pas répandu. Ok. C'est bon, ils arrivent à temps. J'écoute. On est bon, on est bon, on est bon. Éteignez les incendies 5 sur 5. Demandez aux secouristes d'emmener les victimes à l'hôpital. Enlevez les véhicules. Demandez à un médecin de soigner les victimes. Utilisez... Ah, il faut également un dépanneur. Le dépanneur, tu vas devoir venir là. Pas de problème. Et alors toi? Attention, nous devons secourir les blessés sur place au plus vite. J'attends les ordres. Ce sera fait. Tout de suite. Voilà. J'attends les ordres. C'est bien. J'attends les ordres. Oui, chef. Bah, le pompier vient ou quoi? Il arrive le pompier. Il arrive avec sa cisaille. Le gars est toujours dans sa bagnole. Purée, il y a beaucoup de choses à faire dans cette mission d'un coup. Ah, attends, tu peux rentrer. L'ambulance emmène la victime à l'hôpital de la base. Tu peux rentrer. Oui, ce sera fait. Il arrive avec sa cisaille, j'aurais dû la... J'aurais peut-être dû demander à ceux qui étaient à côté, là. Toi, tu peux rentrer. À vos ordres, je suis prêt. Tu peux rentrer. On va s'en occuper. Oui, tu peux rentrer. D'accord. Je suis prêt. On va s'en occuper. La voiture a un peu chauffé, oui, mais bon, la température retombe. Oui, ok. On va voir s'il va aller le soigner tout seul. Allez, allez. Non, ok, je t'envoie. Je suis prêt. Rentrer dans ta bagnole. Elle est où ta bagnole? Ah, je les ai laissés. J'ai laissé, ok. Bah, tu retourneras avec la prochaine ambulance. Ambulance, vous pouvez revenir. Je suis avec vous. On en a besoin de deux. Tout de suite. Oh, il y en a une autre là-bas. Je l'ai pas vu. J'écoute.
Ah, non, ok, non, elle, c'est pas qu'elle est là, elle est ok. Elle, d'accord, je vais devoir m'occuper. Voilà, en fait, elle est vide déjà. Donc tu vas t'en occuper. Toi. Que se passe-t-il? Je suis avec vous. Que se passe-t-il? Pas de problème. Rentre dedans. Oui, ok. Tu vas t'occuper de lui. Oui, ok. Toi, tu rentres dans celle-là. Oui. On fait sortir les gars avec ça. À vos ordres. La voiture est ramassée, il va me falloir... Est-ce que j'en ai une autre de dépanneur? J'en ai une autre. Tu vas venir là. Ça sera fait. La voiture est posée. Et toi tu pars. J'attends les ordres, d'accord. La dépanneuse est là. On veut ça. J'attends les ordres. De la base. Je suis prêt. J'ai compris. Je crois que j'ai oublié personne, je crois, je suis pas sûr, je regarde, j'ai oublié personne, personne n'a été abandonné. Toi tu t'occupes de la bagnole. Enlever les véhicules, demande au secret d'emmener les victimes à l'hôpital. Bah la dernière elle est en route théoriquement. On le voit pas bien sur les maps, la map, hein. La map est moins bien gérée que dans la version plus actuelle, hein, on va dire. Celle-ci était remise à goût dur, mais il y a quand même, vous voyez, quelques différences, donc on voit pas bien. Ou alors c'est juste qu'en fait la map est très petite. Ok, et donc on voit pas. Voilà, ok, ça sort, il n'y a pas cette map ouverte avec tout dans la dedans. Excellent, okay. Vous avez su garder la tête froide. Alors, quelle est ma note? Médaille de bronze. La médaille d'argent, il y a 127 500, la médaille d'or, il y a 172 000. Donc j'ai à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de ce qui est demandé pour la médaille de bronze. Ok, bon, j'ai pas été terrible. J'ai pas été terrible du tout. Mais donc voilà, là je vous ai montré donc du premier coup le gros du jeu. Donc les campagnes qui sont géniales, qui sont prenantes, qui vont vous mettre dans différentes situations en map ouverte. Et une des 10 missions qui a été remise à jour, hein, moins intéressante je trouve quand même. C'est un bonus, je dirais, plus quand vous avez fini le reste du jeu et que vous voulez un petit peu plus de gameplay. Ben, vous avez celle-ci, vous voyez, les maps sont plus petites, c'est fermé. Ça nuit à l'intérêt du jeu, je trouve. Enfin, ça, c'est pas aussi cool que les campagnes, tout simplement. Mais c'est des missions bonus, donc tant qu'à faire. Donc, si jamais vous avez, comme je vous ai dit, la version 2016 et 2017 du jeu, vous avez le droit à 66% de réduction. Sinon, bah, vous payez le jeu complet. Mais franchement, cette offre vaut le coup. Si jamais le jeu vous plaît, vous avez 3 jeux complets plus des missions bonus. Réunis dedans, vous avez même un multijoueur. Ça, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que je suis pas trop multijoueur et je l'ai pas encore testé. Vous avez un éditeur de stage pour pouvoir créer vos propres missions et vos propres maps, hein. Voilà, donc tout ça c'est juste du tout bon, hein. N'hésitez pas, si vous aimez ce que vous voyez, bah, vous pouvez vous lancer. Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt, bye bye.